Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour la suite de notre enquête sur Hitshade avec tous ces étages, tous ces gens encore. Il y a encore du monde invisiblement. L'inspectrice. Ah oui, c'est ma chambre du coup. C'est ma chambre. Et il y a une bougie bien sûr. Trop bien. Trop bien, trop bien. On a un dénommé Vadim, l'historien. Elena. You want to talk? Ah, good. You've finally arrived to sort this out. Check through my suitcase and I'll be on my way, detective. Vous seriez prêt à essayer de vous enfuir. Yes, actually, we've been trapped here all day waiting for you. I had a meeting scheduled in Lindau. I may have lost a client over this. Avez-vous noté quoi que ce soit d'étrange? That historian! He's a madman! He tore through our rooms this morning, screaming about his wretched book. Des chiffres dans un roman à l'eau de rose. Numbers? I'm afraid I don't know anything about that. I picked up that book in a small market last week. It wasn't my cup of tea, so I gave it to Radmiller. Très bien. Parlez-moi des ruines de Riffland. A wasted opportunity at the moment. Who doesn't love the idea of visiting a tomb? Thousands of years old. Who wouldn't love the sense of discovery and heritage? Who wouldn't pay dozens and dozens of glowstones for that kind of experience? I'm going to bring that dream to life. I promise you that. Okay. Alors, ce sera tout pour le moment. You don't look like any detective I've ever seen. I won't be answering your questions. On va commencer par fouiller ton appart alors. À cœur de bidet. Ma très chère famille, j'ai longuement réfléchi à notre dévouement pour la préservation de la sainteté des ruines. Cela a toujours tant représenté pour moi que vous vous êtes tous battus à mes côtés durant tout ce temps. Je dois hélas... Je me dois hélas de vous informer que ma santé décline. Il n'y a pas grand chose à faire, mais avec un peu de chance, je pourrais peut-être trouver un remède à Nava. J'espère juste que... Ah! Et la lettre a été froissée. Ça sent la culpabilité, hein. S'il faut se le dire. Hein. Ah, par contre, il y a de la pluie à l'intérieur, c'est très désagréable. Des symboles. D'accord. Ah, ça sent la suspecte, hein, quand même. Hein. Bien que Vadim ait ses chiffres... Vadim et ses chiffres, mon petit bonhomme. Oh. Alors attendez. Il y a des chiffres là-dessus ou pas? Mince. C'est raté. Voilà. Donc on a dit 5. 1, 2. 3, 4, 5. Là, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais le remettre à 0. Ah, mais c'était là le 0. Ah mince, attendez, j'ai tout merdé. Là, c'est 0. Alors, attendez, je remets tout sur 0. J'ai mal géré mon truc. Il est sur 0. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 1. Oh, monsieur est équipé de la rose bleue, blindé de l'ubijet, mais dis donc incroyable. Donc V, j'ai fait des fouilles du côté de ces vieilles ruines qui vous obsèdent tant. J'ai trouvé ceci, on dirait vraiment une ancienne relique. Je me suis dit que vous préféreriez la garder à l'abri en attendant d'être officiellement propriétaire des lieux. J'espère que vous pourrez m'accorder quelques lumigemmes en plus de plus en échange. Oh, oh mais vous avez beaucoup de choses à vous cacher, braves gens. Hein. Alors, de quoi parle-t-on? Ok, une cape
apothicaire, racine de calne pour le traitement temporaire des nerfs contre les pertes de mémoire et les tremblements. Pas plus de 2 gouttes par jour. Ah. Il est sous médicamentation. L'université de Nava, Omiros, veuillez considérer cette lettre comme un avis formel de licenciement de votre poste à l'université. Nous vous sommes reconnaissants pour votre dur labeur au cours de ces dernières décennies. Néanmoins, le temps a démontré qu'il ne reste aucune nouvelle information à découvrir sur les ruines de Rifland et l'université ne peut malheureusement plus se permettre de financer votre programme. D'accord, donc le mec vient de se faire virer. Et il se fait chourer son livre. C'est très louche tout ça. Toi, il va falloir que tu commences à te mettre à table. Je ne pense pas que tu es un vrai détective. Les glyphes. C'est un vieux poème des gens natifs sur les Teeth Moor Bluffs. I keep it with me as a reminder to always be thankful. Avez-vous vu quoi que ce soit de l'étranger? Yes, I have. Those musicians have been desperate to get out of here since the moment the book went missing. They've been singing all kinds of obnoxious songs about this situation. Annoying fiends. Parlez-moi des ruines de Rifland. Those ruins mean everything to me. All I've ever wanted is to preserve that sacred ground. Qu'est-ce ? Bonne journée. Alors, nous nourrissons les chiffres. Ouais, non mais je vois pas. C'est un truc à l'eau de rose. Mon cul sur la commode. Mets-toi à table. Numbers? I'm afraid I don't know anything about that. I picked up that book in a small market last week. It wasn't my... Pourquoi j'ai pas de... Ce sera pour le moment. Pourquoi j'ai pas de nouvelles discussions? Eh, bonhomme. Tu me fais quoi, là? Hein? Non, on est bien d'accord. Attends, moi j'ai ramassé tous les éléments du jeu, là. Hein. Faut arrêter, hein. Faut déverrouiller de nouveaux... Have you any progress? A wasted opportunity at the moment. Who wouldn't... Tout ça, tu me l'as déjà dit. C'est tout pour le moment. Allons voir les mecs en bas. Qui a un mot à dire? Bonjour. Vous étiez pas là, vous, tout à l'heure. Propriété de Nicole. Je n'arrive pas à croire que c'est la dernière fois que je pourrais poser le pied dans ces ruines. Je sais bien que Tante H n'irait jamais vendre ses terres pour y développer le tourisme. Mais elle n'a pas... Elle n'a pas l'air bien ces temps-ci. H pour Elena, peut-être. Bref. Et je me fais du souci à son sujet. Le moins que je puisse faire est de m'assurer que les terres restent dans la famille. Il m'est parfois arrivé de discrètement prélever quelques reliques pour les étudier en secret. Mais la chose est devenue trop dangereuse. Tante H n'a jamais voulu voir les ruines envahies par des archéologues et c'est précisément ce qui se produira si l'université découvre ce qu'il y a réellement ici. Elle dit depuis toujours que les esprits de nos ancêtres occupent ces lieux et au cœur de ce silence, je serais enclin à le croire, cet endroit est véritablement sacré. Bonjour. Hi. I'm not really sure what's going on. Vous avez pénétré sur un lieu d'enquête. God. What happened? Il y a un voleur qui rôde. Oh, c'est moi qui pose les questions ici. Alors, pourquoi êtes-vous parti aussi soudainement hier? Oh, nous right. Sommes sujet de le monde là. There was an emergency, but don't worry, everything's okay now. Avez-vous entendu parler de Raptor Windu Rifland? Those halls belong to my ancestors, and my aunt lives on the property. I mean, for now, she's probably going to have to sell it. Journal. Okay, you caught me, all right. I know how to get into the ruins, and I've been going in there for years. Is that what you want to know? So yes, it was me. Et le livre de traduction? Translation book? I don't know what you're talking about. Un livre en lien avec les ruines a été dérobé. Oh gosh, I thought you were looking for a trespasser. Avez-vous volé les trésors qui sont dans votre main? I didn't steal them. They belong to my ancestors. Qui
qui aurait intérêt à pénétrer dans ces ruines? Everyone, except my aunt and my parents who think the ruins need to stay empty for our old spirits. But there aren't any spirits. I've been in there 100 times. Où comptez-vous aller maintenant? I just wanted to bring home one last reminder of the ruins. I was hoping to defend them like my aunt always has. Bouge de l'ourson là. The real detective. Are you the impromptu detective? Sorry, it took me so long to get here. The innkeeper just filled me in on the situation. It seems like you've been doing good work here. Do you have a prime suspect? Pas encore. Donc toi, t'es l'inspectrice, c'est ça? C'est ça ton projet? It seems like you've been doing good work here. Ah, pas encore, d'accord. Ok, c'est l'inspectrice, d'accord. Ah oui, donc elle est arrivée en mode glandage. En mode la glande, c'est génial. Bon, on va se refaire un tour de piste. Hein. On va se refaire un petit tour de piste. On va voir si on a débloqué un peu de dialogue. Hello again, detective. On sait que, hypothétiquement parlant, notre... Alors non, il faut que je parle... Toi, nous garçons, normalement, t'as rien d'autre à me dire. Hein. Ok. Non, c'est... Il est où, d'ailleurs? Oui, il est où? Notre licencié, là. Notre mec qui avait un job. Sérieusement, il est où ce con? Bah. Je picole pendant le service, ça se passe comment? Je vais peut-être là, non? Les glyphes. What? You found this here? Why, I can't fully translate it, but I think this is describing a poem about cattle. Or about gold. I need my translation book. Sur le bétail ou sur l'or? D'accord. Des médicaments? Why are you searching through my things? I only opened my trunk. So the suspects would feel more comfortable opening theirs. Surely I can't be a suspect in this crime. That medication is my private business. Une lettre de licenciement. I would appreciate if you mind my privacy. I am the victim here, after all. It's true I'm being let go from my position at the university. But this is my life's work we're talking about. I can't just abandon this when I'm so close to finding all the answers. But really, detective, this is a waste of time. You should be investigating the actual suspects. Parlez-moi des ruines. The ruins are an incredibly rich source of culture and heritage for the people of Eastshade. I believe that within the ruins there are, but somehow, there are people. Ok, réellement, concrètement, tu ne m'apportes rien. Je pense que c'est la fameuse Elena, la voleuse, mais... Oh, ça marche tellement bien. Je veux juste reprendre, vite fait, checker les conversations avec chacun. Ouais, elle, clairement, elle a rien à voir là-dedans. L'autre, il veut juste vendre son auberge parce qu'il est sur la paille. L'autre, ils veulent aller faire leur concert de métal à Nava. Just hurry up and find the criminal, donc, okay? D'accord, donc évidemment rien à dire, genre fous-moi la paix, trouve ce coupable tout de suite. Did you figure it? Oui, c'est ça, lui s'en fout. Elle a fait du business, elle raquette les fonds de poche de son truc. Oh, ask me anything you want, detective. Rien du tout. En fait, les deux suspects, ils sont là-haut. Les deux suspects, ils sont là. C'est elle et lui. Have you any numbers? I'm afraid I don't know anything about that.
I picked up that book in a small market last week. It wasn't my cup of tea, so I gave it to Radmilla. That historian! He's a madman! Ouais, bon, enfin, c'est con de pas te parler de ta valise avec plus de détails. Les glyphes. That's an old poem from the native people on the Teefmoor Bluffs. I keep it with me as a reminder to always be thankful. Yes, I have. Ouais, ok, si tu détestes les gens, on a compris. Those ruins mean everything to me. All I've ever wanted is to preserve that sacred ground. Oui, c'est ça. Donc, en fait, tu veux juste pas qu'ils mettent les pieds, quoi. On peut pas aborder son problème de santé. C'est un peu dommage, en fait. C'est ok. Écoutez. Voilà, on va se faire une petite sauvegarde. On va voir si on mise un peu juste. Oui. Historien, non. L'aubergiste, non plus. L'étudiant, non. Radmilla, non. C'est personne. Lida. Hein? C'est qui ça? Elena. Really? That's very interesting. Let me have a look around and see if I can confirm your suspicions. Looks like you're well on your way to becoming detective. A full-fledged detective. Certainly nice to have someone else carry out the interrogations. Sad story this is. Looks like Helena was hoping to sell off the land to the tourist industry. Worth quite a lot of money. Says she was trying to take a final look inside the ruins. That's why she needed the book. Must have been having second thoughts about selling the land. Unfortunately for her, we've now got solid evidence that the ruins are filled with ancient relics. No chance of selling the property now. Ownership will most likely default to university. Well, I'd be remiss if I didn't reward you for your work. Please, accept these glowstones I'm authorized to award good Samaritans like yourself. And I believe my work here is just about done. So, you actually weren't the detective after all. I just had to see if there was anything in the ruins. All my life I've believed there's nothing but spirits in there. I've started to see that no one else believes that. I can't afford for the land to go to science. Science doesn't pay. But my heart couldn't afford for the ruins to be opened as a tourist location. I just thought the translation book might hold some answers for me. Might help me solve this puzzle. Vardim made an offer on the land. He suggested running his own excavation for sacred objects. But really, I knew he would do everything possible to destroy what he found. I took the book and planned to sneak inside the ruins. Just take a peek. I wouldn't have destroyed anything, and if I found something, I would have reported it to the university right away. Now, the ruins will be opened to the university. We'll just have to see what happens. Hmm. Cool. T'es content, mon gros? Oh well, I'm happy to hear there's something of interest in those ruins. Well, I guess Vadim won't want to buy my inn anymore. But maybe he'll get more interest now anyway. Who knows? I just might convert one of these rooms into a ruins museum. Hmm, c'est pas bête. Bon, ils sont tous déjà barrés. Ah, il est encore là, Vadim. Ah, mon petit Vadim. It's too bad the ruins are going to be swept up by the university. Wasted opportunity. The entire island would have profited from the tourism. All in the name of science, I suppose. T'es dégoûté, tu voulais l'acheter pour ta petite compagnie, va. Vieux salaud. Pourriture capitaliste. I can't say I'm pleased. The case was cracked. I was quite enjoying the excitement. Oui, bon, d'accord, ok, t'es perché. Bonne journée. To dreary days in bed.
I suppose. Ouais, ils sont partis les touristes là. C'est bon la tourista. Finally, we can leave. Maybe we'll get to play in Narva after all. Yes. I didn't expect things to happen so quickly. I guess the ruins aren't ours anymore. I'm glad the university will be studying them. I've always wondered about everything I saw in there. Poor Auntie H. I wish she could see inside. She must have been really desperate to end up taking that book. Thanks for working on this case, Detective. We were worried we'd be trapped here forever. Oh, c'est mon cadeau à votre commu. Well, I thought Helena was acting strange. Guess you can always count on me, Detective. Who knows? Maybe they will find some cures in the ruins. That would really be something. C'est vrai. Et il nous en manque plus qu'un. Celui qui va être bien content. Well, after we recover the translation book from Helena, maybe I can get my position at the university back as well. The ruins have always been important to her. I only hope I can preserve them for future generations. And imagine what we can learn about the past. Eventually, I hope it will be better this way. If we uncover even one artifact, the ruins will be protected forever. No tourists, no names carved in the walls by hooligans, no trash tossed around. Just a bastion of history. On an unrelated note, I saw the, shall we call it the watercraft you arrived here in. I've drawn up some instructions for you on how to build a reed boat. They're commonly used around here. No need for whatever that thing is. You also find reed boats quite capable of coastal travel. I can't imagine your contraption there is. You'll need heavy reeds. They're wider and flatter than the usual sort. Best wishes, and, sorry for accusing you of taking my translation book. I'm sure you understand. Bonne continuation. Eh bien, je vais pouvoir faire un nouveau radal. Putain, c'est trop bien ça. Alors attendez, un nouveau radal, c'est parti. J'ai tout ce qu'il faut. Allez. Non, pas bon. Est-ce qu'on going too fast avec ça? Par contre, on tourne pas avec ça. Ah, alors disons que c'est chaud quoi. D'accord, bon, bah, c'est cool hein. Je me plains pas, c'est rigolo, c'est cool. Gagner une petite embarcation. Oh, ça touche un peu. Ah, il faut que je trouve toujours le vieux brouillon. Hein. Toujours j'arrive à pêcher cette saloperie. Ce petit poisson. Je sais pas, on peut le choper. Écoute, naviguons, traversons surtout. Ça, c'est vachement important. C'est vachement important, c'est de pouvoir quitter la zone actuelle pour une nouvelle zone, pour de nouvelles aventures incroyables. Il y a 2-3 poissons, mais genre 2-3. Est-ce que ce serait pas ça, mon grognon? Hop là. Emballe-moi ça. Hop là. Est-ce que ce serait pas mon grognon cette histoire? Hop là. Ok. Très bien. Donc on a dit. Ouais, il y a plein de poiscailles. Il y en a pas un, il y en a plein. Essayons. Mmh.
Tu viens, oui, ou quoi? Mais il vient, ce machin, oui, ou quoi? Mais viens, bestiole! C'est le vieux grognon! Le vieux grognon, il a recraché une bague que j'ai ramassée. Alors, je vais garder le vieux grognon ou bien le remettre à l'eau. Oh! Allez! Il est trop rigolo comme vieux poisson. C'est un folklore à lui tout seul, si tu veux. Donc c'est normal. Ah, c'est cool. J'ai bouclé ça. Ouais, mais alors du coup, faut que je retourne sur l'ancienne terre ferme. Allez, on peut se faire ça. Hein. Oh, ouais, attends, bouge pas. Tac, mon radal. Ma petite barque. Ah, c'est trop cool. Oh, je suis content d'avoir enfin avancé d'un bon coup là. Ah, d'avoir débloqué quelques petites choses là quand même. C'était très agréable. Bon, on va lui rendre sa petite bague à la madame. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si on va à Nava. Est-ce qu'il y a vraiment un concert à Nava? Mais je pense pas. Je ne pense pas qu'on en soit là. Pouf. Yes. Tiens. You found me, my ring traveler, but you didn't bring the old fish. Ah, je ne savais pas que vous le vouliez lui aussi. I don't need him per se. I'm so glad just to be reunited with my wedding ring. Thank you for bringing it back. Here, have a few glowstones. And thank the great shade you survived. C'est pour ça que j'ai survécu. Well, it's hard to be sure, but a mean-spirited old fish. You ever hear the tale of how old Pops came to be so grumpy? No? Oh, you're in for a treat. Well, you see, there was one day old Pops swallowed a bitter frog. So he swallowed this frog, and the taste was so awful, old Pop started thrashing round something terrible. There was a boat nearby, and when old Pop leapt out of the water, he hit it hard. That boat was knocked over, and the captain was real upset. He was yelling and ended up harpooning the giant fish right in the side. Didn't you notice the lard gash on old Pops? So anyhows, old Pops has been bitter ever since. Can't believe you survived fetching my ring from him. That old Pops, he's got it out for us all. Ok, t'en as trop pris, gros hein. De toute façon, moi, ce que je me propose, hein, gentiment, c'est de planter ma tente. Zblou. Ah, j'ai bien planté ma tente. On dort, hein, de toute façon. Et puis, bah, moi, je vous retrouve dans un autre épisode, deux jours, pour aller visiter l'autre côté, tout du moins, de la berge. Donc, je suppose, le Riffland. On va pouvoir y aller qu'en barquelette, hein, en petit radal. Dans mon petit radeau, ça va être beau. Sur ce, je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour eShade et je vous dis à la prochaine. Ciao.